Salut tout le monde! Aujourd'hui, je suis dans le parc national du Fjord du Saguenay pour effectuer la traversée du Sentier des Capes, qui est environ 24 km. On a à peu près 30 km aujourd'hui au menu. Je vous présente ça tout de suite. Vous prenez les amis à partir? Oui! Yes, sir! Oh, Sentier des Capes, par là. C'est bon, ça va? Oui. Ah, ça monte, hein? On monte des collines. Mais c'est beau! Mais c'est tellement beau, là! C'est fin. C'est fin, mais ça monte. Troisième journée de randonnée. Il nous reste 21 km à faire. Va-t-on réussir? C'est ce que vous allez savoir dans le prochain épisode. C'est très beau. On mange-tu en même temps? Mais... Ouais. Ouais, bonne idée. J'aurais dû me mettre de l'huile à mouche. Il m'a fait bouffer. Là. Après 6,5 km, on a fini une bonne partie de la montée. J'osais espérer. Hein? Ça va bien, gang! Sur une échelle de 1 à aïe aïe mes chevilles, combien tu dirais que c'est technique ici? Aïe aïe mes chevilles? Ouais. Depuis le début, là, ben. Quoi? Hein? 6,5, 7. 7? Ouais. Ok. C'est quand même technique. On a dit à toi? C'est quand même technique, ouais, je suis d'accord. La vitre bleue. Oh! Encore! Regardez les beaux bleuets! Puis là, on va dire, mais c'est des myrtilles! C'est pas des myrtilles, tabarnak! C'est des bleuets! Je pense qu'on a manqué un embranchement. Mais Sophie était contente de se perdre. C'est de sa faute. Ça a l'air c'est de sa faute, c'est elle qui est en avant. Mais là, on a peut-être fait un 2, 3 km supplémentaires. Peut-être que ça va nous donner. Là. Oh, wow! On va perdre une espadrille. On va perdre une espadrille. Ah! On a réussi. Got it. Mais là, on retourne sur le droit chemin du sentier des Capes. Maintenant qu'on n'est plus perdu, de retour à notre programme principal. C'est fait! Tu peux dire salut à la caméra! Après une montée interminable, c'est pas mal une belle récompense.
C'est-tu vraiment un point de vue ou bien c'est une impasse, Sophie? On dit entrer là. Tout ce qui redescend doit remonter. Un compte rendu encore. C'est quoi, presque 17 km de fait. C'est technique, c'est technique. Il y a de la roche, puis des racines partout. Partout, partout, partout. Mais on avance. On avance, on avance. Malheureusement, la caméra, ça rend pas justice à la grandeur du fjord. Allez, courez! Point de vue magnifique. Oui. Un petit arrêt pour remplir nos gourdes avec des filtres. Qu'est-ce qu'on va voir? Un peu d'eau. Voilà. Et ça monte encore! C'est environ... 6,5 à peu près? Okay. À peu près 6,5 km. Plus ou moins. Environ 4 kilos à faire. On commence à retrouver des sentiers un peu plus courables, moins techniques un peu. Ça va bien. Franche pas, ça prend un petit peu plus de temps que prévu, mais on bouge bien. Continue. Sophie a décidé qu'elle le refaisait après. Elle n'avait pas assez. C'était pas assez technique pour elle. Elle attendait après le petit coup. C'était pas assez challenge. Alors, on le refait dans l'autre sens tantôt. On va aller toucher à l'auto? Oui. Après ça, tu vas retourner au camping. Je vais avoir le temps de me rendre avant que vous êtes. On est sur la dernière, une des dernières descentes. Puis comme vous voyez, c'est super technique. Il y a des roches un peu partout. C'est difficile à courir. Surtout après 26,5 kg. On est moins alerte un peu. Il faut faire attention pour pas se faire mal puis tomber.
Non, mais ben, je te dirais que avoir fait 30 km comme ça, ça donne mal aux pieds quand même. Ouais, c'est ça, hein. Il reste 3 km, donc 4h30 à faire. Ça a l'air que c'est la dernière montée, mais j'y crois pas. Fait que... Je suis sûr que c'est pas la dernière. On dit n'importe quoi, puis c'est tout ce qui est là, c'est pas vrai. C'est chiant, ça. Je me sens manipulé. Ben, oublie ça, les deux derniers kilos sur bain. La pancarte 2, on vient de la passer, ça fait à peu près 500 pieds. En plus, parle en pied, comment c'est mon nom? Hein? Ben oui, parle en pied. Il reste quoi? Il doit rester à peu près 1000, là? 1000 et demi? Il manque 150 mètres. Let's go, on finit ça! Let's go! Let's go, Sophie! Le chef! Good job! Ah. Yeah! C'est le Maxime d'Amérique qui arrondit toujours ses kilomètres. Un vrai passionné. En tout cas, les amis... Beau travail! Beau travail! Beau travail, on a bien fait ça. Ah. Ça a été plus long que prévu, mais... Oui, vraiment! Les risques du métier. On entend des bruits de jambes.